Grâce à son rôle de Lex Luthor dans Smallville, l'acteur Michael Rosenbaum a décroché deux records plutôt improbables. Et celui qui fête aujourd'hui ses 51 ans n'a pas encore été battu. Ce 11 juillet 2023, si est-il l'anniversaire de Michael Rosenbaum qui fête ses 51 ans. Notamment connu grâce à son rôle de Lex Luthor dans Smallville, il aura marqué l'univers de Superman à tout jamais. Et pour cause, il y a mis de sa personne. Il se trouve que l'acteur est le premier à avoir rasé sa tête pour incarner au mieux son personnage. Avant lui, Gene Hackman et Lyle Talbot ont porté une perruque dite chauve lorsqu'ils ont interprété Lex Luthor dans Superman, 1978, pour le né Atom Man vs. Superman, 1950, pour l'autre. Michael Rosenbaum s'est alors rasé la tête pendant les 7 années où il a joué dans Smallville. Il est donc l'acteur qui a le plus longtemps joué Lex Luthor toutes œuvres confondues, mais aussi le plus jeune. À partir de la 8e saison, c'est Kevin Miyake a repris ce rôle dans la série. Michael Rosenbaum, Smallville, je suis prêt à tourner la page si Michael Rosenbaum a quitté Smallville au bout de cette saison, c'est pour une raison bien précise. Interrogé par Empire en 2016, il avait révélé avoir refusé de prolonger son contrat lors d'un dîner avec le président de Warner Bros. Je lui ai dit, tu sais Peter, ma grand-mère me trouve drôle et j'ai toujours voulu faire de la comédie. J'ai d'ailleurs commencé avec des comédies, j'en ai fait des tonnes, puis j'ai été catapulté dans ce rôle que j'aime et qui a été super. Mais j'ai signé pour jouer Lex Luthor pendant 6 ans, je suis resté 7 temps et je suis prêt à tourner la page et à essayer quelque chose de nouveau. Une décision qu'il avait prise depuis un petit moment. Michael Rosenbaum, Superman lui colle à la peau après son départ de Smallville, l'univers de Superman a longtemps suivi Michael Rosenbaum. Il se trouve qu'il est la voix de Flash dans la Ligue des Justiciers qui est sortie en 2001. Dans cette équipe, Superman est présent aux côtés de Batman, Wonder Woman, Supergirl ou encore Arrow et Captain Marvel. De quoi rappeler quelques souvenirs à l'acteur. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Nah.